Hello! Hello, il est 10h. Je ne sais pas si on va être nombreux ou pas, mais en tout cas, il est 10h du matin. Oui! Le réveil a sonné! C'est bon, il est temps de sortir de la couette! 10h, vous êtes peut-être en vacances. Salut Larissa! Toujours la première. Salut Clotilde! Vous êtes peut-être en vacances, peut-être au bord de la plage, au bord de la mer, je ne sais pas. Salut! Salut Mimi! I'm ready! Yes! J'aime cette motivation, voilà, du matin. Je vous ai dit que je ne vous lâcherais pas, et bah, du coup, je ne vous lâche pas. Normalement, vous avez le petit rendez-vous, c'est lundi, mais comme je n'ai pas pu faire lundi, et bah, du coup, on se retrouve aujourd'hui! Aujourd'hui, pour un cuisse abdo-fessier. Alors, comme je vous ai dit, direct sur Facebook. Présente, salut Marie, présente, salut. Mais replay uniquement sur YouTube comme on a fait la dernière fois. Alors, je peux pas faire ton cours en direct. Bah, en replay, c'est pas grave. Après, j'espère que vous allez, peut-être certains d'entre vous sont au travail, peut-être. Donc, vous allez juste regarder pour voir ce qui vous attend pour la suite. Alors, coucou Deline. En replay pour la journée, je viens de me lever. Ah, grasse mat pendant les vacances. Eh oui. Bon, bah, je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Juste le fait de se réveiller, de se connecter juste pour nous dire bonjour, eh ben, ça me fait plaisir. Raphaël, contente de te retrouver. Mais moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Franchement, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Et comme tous, vous n'êtes pas inscrits chez CMG, donc vous n'avez pas tous, je sais pas, la chance, j'ai envie de dire. Non, la chance ou pas. Je sais pas. De faire mes cours, bah du coup je continue. Je continue. En vacances et prête. Oh là là! Salut Jessie! J'en profite. Du coup, comme tu te connectes, je ne sais pas si vous avez regardé mes stories. Mais moi j'adore quand il y a un anniversaire dans l'un de mes cours. En général, on chante. Donc en tout cas, Jessie, je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est une magnifique année qui s'ouvre à toi. Car je vous raconte un petit peu tout. Jessie va rentrer en école de formation pour devenir coach sportif. Donc voilà, je te souhaite tout plein de bonheur. Une dure année qui va arriver, mais après c'est que du bonheur. Car donner le sourire aux gens et vous faire transpirer, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Voilà! Bon, j'attends un petit peu que vous vous connectiez. On est déjà 40, c'est génial pour un 10h et pour un live que je vous ai dit à 23h30 qu'il y avait un direct. Je trouve que c'est génial. C'est génial. On a besoin absolument de rien du tout, juste de votre corps, de votre sourire. Oh, vous êtes chou, joyeux anniversaire, Jessie. Flo en direct de mon bureau. Eh ben, super, super. Moi, j'aime bien. Dites-moi, qui se connecte et au bureau? Au bureau, ça c'est un peu triste, mais c'est pas grave, vous le ferez ce soir. Vous le ferez ce soir en replay aussi. On ne chante pas, par contre, on va faire des burpees. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on est toujours une team en fitness, en tout cas avec moi. Bon, à 50, on commence le cours, on est 47, 48. En tout cas, je suis en pleine forme, j'espère que vous voyez bien. Vous avez vu, j'ai mis le portable dans le bon sens pour que quand vous passiez en. Quand vous allez le faire en replay sur YouTube, dans votre télé, ça sera bien, ça sera bien, ça sera bien. On va brûler les pêches, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est notre objectif numéro un. Oh, coucou Stéphanie, en direct de Bruxelles. Salut! Hop, vous me voyez bien, normalement vous me voyez mon tapis, moi, si on part en squat, si on part comme ça, et si on part comme ça. Bon, écoutez, je pense qu'il est l'heure, hein. Si vous êtes en vacances, vous n'avez pas que ça à faire. Hein. Salut Johanna. En replay sur la plage. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous le faites en replay et que vous êtes en vacances, je veux un selfie transpirant avec le fond de vos vacances. Donc si c'est la mer, c'est la mer, c'est la montagne, c'est la montagne, c'est la forêt, c'est la forêt. Je veux des selfies, car j'ai envie de partir en vacances avec vous. Voilà. Sabrina en replay, mais c'est pas grave, je comprends tout à fait. Ah, la Belgique sont là, c'est bien, c'est bien. Bon, allez, j'avais dit 50, on commence. Eh ben, je fais des bisous à ceux qui sont juste venus faire un coucou et nous dire bonjour. Et sinon, bah, il est temps de bosser, hein. Il est temps de bosser. Allez, je mets la musique et c'est prêt. Un tapis, que la force soit avec vous. Est-ce que je peux avoir une petite vague de smiley? Une petite vague de smiley quand même, on n'oublie pas. Nous, on a juste deux couleurs. Ah, le smiley tout rouge ou le smiley tout jaune avec un grand smile? Voilà, un grand smile. J'attends. Vous savez, je marche au smiley.
Pili. Ah, je suis contente de vous retrouver. Ah, super. Bon, bah, je crois qu'on peut partir. Ah, il y en a trop. Ça m'avait manqué, ces petits smileys. Bon, comme quoi, c'est vraiment mieux le direct. Hein. C'est mieux le direct. Au moins, ça vous donne un rendez-vous et vous sentez qu'il y a quand même beaucoup de personnes avec vous. Bon, allez. Sur ce, je vais pas abuser pendant vos vacances. C'est parti. Il est temps de se réveiller. Si la musique n'est pas assez forte, vous me le dites. Si elle est trop forte, vous me le dites. Si vous m'entendez pas, dites-le moi rapidement, s'il vous plaît. Merci. Allez, les pieds, largeur d'épaule. On réveille les articulations. Enroulez les épaules en arrière et vers le bas. Tendez les bras. Prenez une grande inspiration pour vous grandir. Et relâchez, soufflez. Encore une fois, on inspire. Il est tôt, il faut réveiller les articulations. Relâchez, croisez la jambe et basculez vers la gauche. On change de côté, on croise. Main sur les hanches. On inspire et on expire quand on plonge. Relâchez, ouvrez les jambes en squat. On descend le plus bas possible. Vous pouvez rester là ou alors vous descendez un peu plus bas. Poids du corps dans les talons. On bouge d'un côté à l'autre. Pour réveiller ses hanches. Réveiller ses hanches. Hein. On est bien là. On est bien. Allez, tendez les jambes. On étire les ischios. Les mains au sol. Ou peut-être vers les pointes des orteils. Ou peut-être seulement sur les chevilles. Mais relâchez le haut du corps. On fléchit les jambes. On déroule le dos et il est temps de commencer. On ouvre, pieds larges, squat, direct, ça y est, échauffement fini. On est parti pour 45 minutes 0-0. On pousse les hanches en arrière et vers le sol, vous commencez à avoir l'habitude. Le dos reste parfaitement droit, parfaitement droit. Allez, 30 secondes, 16, 15. Regarde si tout va bien. En replay, non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Et par contre, c'est pas parce que je m'arrête que vous arrêtez. Hein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en planque, on reste en squat et on pose les deux mains au sol. Gainage, gainage. Sur les genoux ou sur les orteils, hein. Fâcher la tête en bas, on aligne tout son corps, épaules, fessiers. Si besoin, je pose les genoux, mes poids du corps toujours en avant. 30 secondes. Que du statique, vous savez, on commence tranquille, hein, tranquille. Hein. Attends, je fais des bras bien tendus. On roule les coudes à l'intérieur, 15 secondes. 15 secondes, et on rentre le ventre le plus possible dans le ventre. On le rentre, ça va contracter. 4, 3, 2, debout. Let's go. On inspire et on expire en haut. On inspire, on expire. Soyez toujours concentré sur votre respiration. 16, 15. Sinon, vous allez très vite être dans le rouge et dire je suis essoufflé. Et oui, si vous restez en affaire, vous allez très vite être essoufflé. 15 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en squat, squat. Poids du corps dans les talons, vous devez toujours avoir la poitrine et les yeux face à moi. Si vous ne voyez plus, ça veut dire que vous basculez vers l'avant. C'est le petit repère. Vous devez toujours me faire coucou. Dernière seconde. Squat et on décolle les talons. Squat et on décolle. Squat. Vous êtes le plus haut possible sur les pointes. Vous serrez les fessiers et les abdos. Les bras en arrière. Le plus haut possible. 15 secondes. 8. 7. Vous pouvez rester dans ce mouvement. Squat et vous décollez les talons. Pour ceux qui veulent, pendant les 30 prochaines secondes, squat jump. Dans 4, 3, 2, squat jump, 16, 15, on n'oublie pas le squat, on fait
réfléchit et on saute. On n'est pas obligé de sauter très haut, je veux juste une toute petite impulsion. 15 secondes, 8, 7. Si vous ne voulez pas sauter, vous ne sautez pas. 4, 3, 2, on reste en bas, on reste. Squat. Vous pouvez placer les mains sur les cuisses. Là, c'est pas en bas. Là, c'est pas en bas. Là, on est bon. On est bon. On se refait un deuxième tour. Mais là, vous accélérez un maximum de reps en 30 secondes. Squat jump, on décolle. Let's go. Let's go. Un max de squat. Soit vous décollez, soit vous sautez. Moi, j'aime bien mettre les bras en arrière. Mais vous pouvez mettre les bras en avant. 15 secondes. 8. 7, 6, j'ai dit un max, ou alors ici, ici, 4, 3, et là ça réchauffe, 2, 1, stop, planche, planche. Si vous voulez poser les genoux, vous pouvez, sinon grimpeur lent alterné, genou droit, droite, gauche, droite, gauche, épaule au-dessus des poignets, on a tendance à reculer, replacez-vous, enfoncez le sol, 15 secondes, 8, 7, genou vers le coude en gardant le dos droit, 4, à mon top, on accélère pendant 15 secondes, le plus vite possible, 4, 3, 2, accélérez, droite, gauche, droite, gauche. Soit vous êtes sur le tempo, soit vous restez en statique, soit vous gardez le rythme précédent. Vous avez le choix. 4, 3, 2, debout. Squat large. Ouh. Vous savez quoi? J'ai pas pris de serviette. J'ai oublié qu'il faisait chaud dans un appartement. Oh là là. Je vais claquer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en bas, on reste en bas, on reste en bas. En route pour les vacances à la montagne. Ah ! Allez, on bloque en bas, on bloque, cuisses parfaitement parallèles. On pense à rien, vous pouvez mettre vos mains vers l'avant. 16 pulses, tranquille. 16, 15, 14, en restant le plus fléchi possible, le plus, encore, 8, 7, 6, oh, il n'y a pas de cœur, 5, 4, 3, 2, on reste, à mon top, deuxième tour, un maximum de squat, on décolle les talons, on squat jump. Let's go, un max, un max. Ouh. Maintenant qu'on a bien chargé les cuisses, on explose. Je veux un max de squat, soit sur les poings, soit squat jump. Ou alors vous pouvez alterner les deux. Mais on n'oublie pas, là c'est un saut. Hein. Moi je veux le squat jump. 15 secondes et maintenant encore plus haut, 15 secondes. Si vous êtes dans votre salon, essayez d'aller chercher le plafond. Le plafond. 4, 3, 2, 1, stop, planche, avancez en planche. On a chaud ou pas? Là on sent bien le cœur, si vous voulez poser les genoux, vous posez les genoux. Car on va se faire un deuxième tour, un troisième. Je me recule pour que vous voyez. On se redresse. 4, 3, 2, debout, un max de squat. Let's go. Let's go. Allez, mes oiseaux, envolez-vous. Envolez-vous. On sculptez vos cuisses. Ou alors, ici, ici, juste en décollant les pointes, ça brûle les cuisses. Il nous reste 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Avec moi ou pas? Avec moi ou pas?
4, 3, 2, 1, stop, planche, planche. Si vous voulez faire ça, vous pouvez, vous pouvez. Grimpeur croisé, lentement, lentement. Let's go. Droite, gauche, droite, gauche. Là, le genou gauche se dirige vers le coude droit. Si vous voulez ralentir, vous ralentissez. 15 secondes, 15 secondes. Si vous voulez même vous mettre sur les coudes, je sais que ça sollicite beaucoup les épaules, les bras tendus, c'est pour ça que je le fais. Si vous voulez vous mettre sur les coudes, vous pouvez. 4, 3, et on a bien sûr un sprint de 15 secondes. 2, on accélère. 15 secondes, 15 secondes. À mon top, on relâche. 4, 3, 2, 1, stop. Relâchez, relâchez. J'ai envie de vous dire, échauffement fini, échauffement fini. Allez, on se place en position de squat. Ouh, oh, je dégouline de partout. Et si je deviens une flaque d'eau, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Squat serré, largeur d'épaule, orteil vers l'extérieur. 16, 15. Ça, c'est toujours notre récup. Vous commencez à me connaître, je mets toujours une récup active. C'est là. On laisse redescendre le cœur, mais on continue à charger les cuisses. 8, 7. À mon top, on va transférer tout le poids du corps sur la cuisse gauche. La cuisse gauche, et on part en montée de genoux. Montée de genoux. Dans 4, 3, 2, genoux, 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 chrono, chrono. Est-ce que vous voyez bien mon pied? Oui. On fléchit la cuisse gauche et on lève le genou vers la poitrine en gardant le dos bien droit, légèrement penché vers l'avant. Pas de dos de tortue qu'on déteste, hein, ça n'existe pas. Et on s'en doute que ça va nous faire mal au dos. On se redresse, on active les bras. Une minute, c'est cadeau. Une minute, une minute. Vous entendez la respiration? Quand le genou monte, vous expirez. Par contre, essayez de jouer le jeu en fléchissant votre cuisse gauche. Si elle est tendue, là vous n'allez pas sentir les pêches, hein, vous ne les allez pas les sentir. Il nous reste 20 secondes, même pas, même pas. 10 secondes, aïe aïe aïe, ça commence à brûler là, ça commence à brûler, mais on aime ces sensations, hein. On aime. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, poids du corps sur la cuisse gauche, on transfère, on monte et on descend, on monte, je vais mettre là, ouh, en haut et je descends, chacun son rythme, chacun son rythme, on ouvre la jambe vers l'extérieur, on ouvre, mais toujours en gardant la jambe gauche fléchie pour activer les quadriceps. Je recule juste mon tapis, me dérange. Une minute. Orteil vers vous en rotation interne, ça va activer le moyen fessier. C'est un fessier qu'on ne voit pas, il est à l'intérieur. Mais bon, pour avoir les pêches bien bombées, ça fait qu'il faut l'enfoncer. Allez, vous avez fait, ça passe vite. Vous avez fait déjà 45 secondes. Le challenger, vous ne posez plus les orteils au sol. Allez, essayez de ne pas basculer sur la gauche. Non, vous restez toujours face à moi, face à moi. C'est votre père. 5, 4, 3, 2, 1. On recule le pied en arrière, largeur d'épaule, les mains sur les hanches et on enchaîne en fente. Let's go. En bas et je monte. Une minute, on n'est que sur une minute aujourd'hui, hein, je préfère vous le dire. Une minute. Une longue fente, la plus longue possible, en gardant dos droit. D'ailleurs, je lève ma poitrine et je serre mes omoplates.
J'aimerais, enfin c'est pas j'aimerais, j'aimerais un genou arrière qui frôle le sol. Qui me frôle. 30 secondes. 30 secondes. Si vous voulez accélérer, vous accélérez. Hein. Moi, je vous mets toujours sur un rythme accessible pour tout le monde. Hein. Ouh, j'ai de la transpiration partout. Partout. Comme quoi on bosse. Hein. Pour tous ceux qui étaient un petit peu négatifs avec les cours de cuisse à bénéficier. Ouais, ouais. Dernière seconde. 5. 4. 3. 2. On reste en bas. On reste. On reste. Vous voyez pas la main quand on reste. On reste ici. Deux jambes fléchies à 90 degrés. 90 degrés. À mon top. 30 secondes de push. Les 30. En bas. En bas. En bas. Vous gardez la tension maximale sur les deux cuisses. Si vous voulez vous relâcher quelques instants, vous faites comme moi, vous relâchez et vous reprenez. Allez, on se rapproche. On se rapproche. Ça va très vite brûler, c'est forcément le but recherché. Allez, 10 secondes. 10 secondes. Rapprochez-vous du sol. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez planche. Ah, punaise. Le muscle le plus important, c'est le cœur. C'est le cœur. À mon top, 30 secondes de grimpeur alterné. Let's go. Droite, gauche, droite, gauche. Ou alors, ici. Ou alors, ici. Vous choisissez votre tempo, mais il nous reste encore 15 secondes. Accélérez, let's go, 15 secondes. Les cuisses sont lourdes. 4, 3, 2, 1, stop. Debout, squat. Squat. Si vous voulez retirer ce squat, oula, on voit plus. Vous pouvez. Vous pouvez. 15 secondes. 8, 7, je vous propose, restez en squat, je vous propose un challenge. À mon top, 23 squats, planches, sauts. Restez en squat. Restez en squat. Soit squat, planche, marche, marche. Restez en squat. Soit ici, soit là. Allez. À mon top, j'étais longue à expliquer. Là, c'est pour fêter joyeux anniversaire à Jessie. 23. Squat, planche, saut à mon top. 4. 3. Je vous donne 1 minute. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Vous pouvez continuer ou vous pouvez vous relâcher? Je suis qu'à 10. Il en manque 13. Il en manque 13. Dès que vous avez fini, je compte sur vous. Vous vous placez en planche. Deuxième tour. 1, 2, 3, 4, 5. On dit on fait une pause à 10. 6. 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on a continué? Moi, il m'en manque 3. Il m'en manque 3. On fait les 3 ensemble? On fait les 3 ensemble? Let's go. Let's go. 1, 2 et 3. Relâchez. Relâchez. Allez, squat. Bon, la bonne nouvelle, on se fait tout ce qu'on a fait à droite sur la cuisse gauche. Allez, on descend, on descend, on descend. Là, je vous vois faire ça. Là, imaginez que je suis à côté de vous. Hein.
Si vous me faites ça, comptez sur moi pour vous dire plus bas. Allez, dans 20 secondes, montez le genou. Officiellement, ce n'était pas des burpees, hein. C'était un squat et une planche. Hein. Donc ça s'intègre parfaitement dans les cuisses abdominales. 10 secondes. 10 secondes. 3, 2, 1, genou. Genou. 1 minute. 1 minute. 1 minute. À votre rythme. Mais le genou monte le plus possible à la poitrine, ça va activer les abdos. Et plus vous mettez de la vitesse, plus ça va faire monter le cœur. Allez, et je vous vois venir. C'est pas parce que je vous parle que vous vous relâchez. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Allez, let's go. Vous avez fait la moitié. La moitié. Allez, mes sprinteurs professionnels. Professionnels. 20 secondes. Oh là là, ça brûle. 20 secondes. Ensuite, c'est les extensions, les abductions. Aïe. 5 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. On fléchit et on ouvre. J'ouvre, je pose. On garde la jambe tendue. Oh, j'ai la fesse en feu. Et vraiment, j'espère que je vous rassure. Vous le savez, hein, on ne s'habitue jamais à cet exercice. Jamais. Jamais. Les challengers, pendant la minute, vous ne posez pas l'orteil au sol. Hein. Par contre, hop, je ne vais pas vous voir tanguer vers le sol. Hein. Là, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche absolument pas. D'accord ? On reste face à moi. On serre le ventre, on lève la poitrine. Il reste déjà 20 secondes. Plus vous ouvrez et plus vous sentez nos pêches. On les sent, on les sent. 10 secondes. Moi, je pose le pied au sol. J'ai aucun problème d'ego. Hein. Alors, quand je vous dis aucun, c'est aucun. Let's go. Une minute. Une minute. Une minute. Les fentes arrière, c'est la santé. C'est la santé. Allez, montrez-moi vos fentes. Ici, sur une rep, essayez de toucher le sol. Bien sûr, le plus doucement possible pour ne pas abîmer votre tulle. Hein. Mais voilà, si vous mettez une seconde à toucher le sol, c'est bon signe. Hein. Si vous mettez 20 secondes, ça veut dire que vous restez là. Hein. Il reste 20 secondes. 20 secondes. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Répondez-moi en fente. C'est la suite. Hein. On reste en bas. 30 secondes de pulse à mon top. 30 secondes. 30 secondes. 3, 2, 1. Let's go. Pulse, 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 pulse. Partez pas trop vite. Partez pas comme une balle. Soyez prudent, lentement, mais sûrement. Si vous voulez faire ça pour relâcher quelques secondes, vous pouvez. Ça va permettre de profiter, sinon vous trichez. Allez, la moitié du chemin. La moitié. La moitié. On se rapproche. On se rapproche. 4, 3, 2, planche. Ah, yes. Est-ce que vous sentez que ça commence à continuer à brûler? Ça continue à brûler. Grimpeur lent, croisé. Croisé. Je suis la seule à avoir les cuisses comme du béton. Je vous promets, c'est du béton. 15 secondes lentement. Si vous voulez rester en stage,
statique, vous pouvez, à mon top, on accélère pendant 15 secondes, dans 4, 3, 2, accélérez, droite, gauche, accélérez, je vous ai menti, 15 secondes de plus, 8, 7, 6, 5, et oui, 4, 3, 2, 1, stop. Relâchez, je vous ai menti. Et on se place au sol, au sol. Allez, sur le dos, sur le dos. Là, je sais, vous voyez. Vous imaginez dans votre salon. Allez, si vous voyez bien, les talons proches des fessiers, les bras le long du corps, relevez le bassin, on monte et on descend. On monte et on descend. On pousse les hanches vers le ciel, vers le ciel. En alignant épaules, fessiers, genoux. Quand vous êtes en haut, tout votre corps est une ligne droite. C'est du gainage inversé. Hein. C'est une planche inversée. Donc, si c'est une planche inversée, qu'est-ce qu'on sert? Le ventre, surtout. Les fessiers. J'aime bien vous dire, imaginez qu'il y a plein de piquants sur le tapis. Il y a plein de pics qui vont 15 cm. Si vous posez le fessier, vous piquez les fesses. Voilà. Donc, j'aimerais pas que vous me fassiez piquer les fesses. Poussez les hanches vers le haut. Vers le haut. Les challengers, là on a les deux pieds au sol. Vous pouvez garder le même mouvement, mais vous placez talon au sol, talon au sol. Et là on a un peu plus de sensation dans les pêches. Dans les pêches. Est-ce que votre fessier est bien dur quand vous êtes en haut? Vous pouvez juste toucher, il reste 15 secondes, vous pouvez juste toucher. Quand vous êtes là, là c'est mou, hein. Là c'est tout mou, hein. Voilà, c'est comme un chewing-gum. Hein. Par contre, là, là c'est bien dur. Restez en haut, on reste en haut, on attrape ses mains et on tend les bras. On tend les bras, on pousse les hanches vers le sol. La suite, on lève une jambe en incliné, let's go, jambe droite. Droite. Et on pose, gauche, droite, gauche. Mais on sent, on va avoir tendance à faire ça. Là, il n'y a plus de planche, les gars. Il n'y a plus de planche. Donc le but, on maintient son gainage. On maintient son gainage. En alterné, droite, gauche. Si vous voulez ralentir, vous ralentissez. Il nous reste 15 secondes. 8, 7. Un peu plus haut ou pas? 4, 3, 2, 1, stop. Posez les fessiers, placez les mains sur les tempes, crunch. Je monte. Je monte. Les mains au niveau des tempes, les coudes bien ouverts, vous rentrez le ventre. Vous expirez à la montée, vous regardez entre vos deux genoux, les deux genoux. Chacun son rythme. Vous voyez, mes mains ne sont pas au niveau de la nuque. Hein. Vous avez tous tendance à tirer comme ceci. Mais là, ça ne vous aide pas. Hein. C'est juste les cervicales qui voient, ça va vous faire mal à la nuque. Ayez conscience de vos abdos. Mains larges, mains sur les tempes, on manque le menton. Les épaules au sol à chaque descente, on n'est pas en pulse, on est tranquille, on est tranquille, on commence à mettre une belle tension dans les abdos. 15 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en haut, on allonge les bras maintenant, on allonge les bras, le ventre est toujours rentré, on essaie de
patte, tape alternée, droite et gauche, droite, gauche. On va commencer 3 clics puis augmenter l'intensité. On garde le genou aligné avec les hanches. Vous pouvez rester ici ou on accélère sur les tapes. En restant le plus haut possible, le plus haut possible. 15 secondes. 8, 7, 6. Soit vous restez ici en tape alternée, ou alors on fait exactement la même chose en extension de jambes. On allonge et on revient. Let's go. Un talon vers l'avant et une cuisse qui reste alignée avec les hanches. Souvenez-vous, vous avez plusieurs possibilités. La plante, rapide ou extension. Si ça commence à brûler, maintenant vous pouvez poser les épaules au sol et rester uniquement en extension. Un talon vers le sol, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Plus vous allongez loin vers l'avant, plus vous sentez le travail dans vos abdos. Donc jouez le jeu. Je vois beaucoup en cours, vous faites ça. Vers le haut. Mais non, plus votre pied se dirige vers le sol, mieux c'est. Mais non, Chloé, c'est toujours 10 heures. 10 heures. 15 secondes. À mon top, on reste en haut. 4, 3, 2, on reste en haut. On reste. Là, vous pouvez serrer vos coudes. Vous pouvez les serrer, les coudes vers les cuisses. Les omoplates sont décollées. On essaie de former la plus grosse boule, la plus compacte possible avec le corps.
que des pulses en restant en haut. Pulse. Vous sentez cette tension? Petite tension qui va augmenter. On continue. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on bloque. On bloque en haut. Allez, entraînement sur mon tour. On se fait un deuxième tour. Let's go. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tendez les jambes. Bras derrière la tête. Levez les bras. La descente et au contrôle. Oh! Yeah, les abdos en feu! Ah! Si vous voulez accélérer, vous accélérez. Si vous voulez rester avec moi, vous restez avec moi. Si c'est trop difficile, vous attrapez, vous fléchissez les jambes. Et vous attrapez vos cuisses, vous tirez avec vos biceps et vous contrôlez uniquement la descente. 30 secondes. Allez, petit challenge. On accélère, réseau. 15 secondes. Encore, 4, 3, 2, 1, stop, on relâche, on a un autre fessier à faire, allez, replacez-vous, on repose les talons vers les fessiers, les bras le long du corps, et on rentre, enlever le bassin, continuez, relevez le bassin avec les deux jambes, et là vous sentez que sur cet exercice, c'est les fessiers qui bossent et les abdos, ce sont les deux. Vous le ressentez bien. 15 secondes. On reste en haut. On fléchit la jambe droite. Nous y sommes. La jambe droite. Je change juste de musique, j'ai pas le droit de mettre cette musique. Hop. Et oui, c'est pas une musique libre de droit. Hop. Allez, vous êtes toujours en haut. C'est pas grave si ça fait 15 secondes de plus, on est en haut et en statique. Un menton, les singles pendant 1 minute. Allez, let's go. Je descends, je monte. On a dit quoi tout à l'heure? C'est le talon qui est au sol. N'appuyez pas avec vos pointes. Là déjà, vous voulez sentir vos ischios. Moi, je veux le travail sur les pêches. Donc, je veux un talon le plus enfoncé possible. J'ai envie de voir si tout va bien. Est-ce que mes petites pêches vont bien? À ce soir en replay. Merci Christelle. C'est tous les jours à 10h? Non, pas tous les jours. Je bosse malheureusement. Mais une fois par semaine minimum. 5 secondes. 5. 4. Je suis une arnaque? Oui. 2. On reste en haut. 15 secondes de pulse. Deux fois. Tendez la jambe. Let's go. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste. J'avoue, le premier tour, on a fait ça quand on est resté. Ceux qui veulent garder la jambe tendue,
vous pouvez. Deuxième tour. On tourne la jambe et c'est fini. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche. On met ses jambes intérieures, bras derrière la tête. Sit up. 6, en tailleur, c'est trop intense. Vous placez les pieds au sol, les pieds au sol. Vous pouvez rester jambes tendues comme tout à l'heure, comme tout à l'heure. Si vous êtes en tailleur, vous rapprochez au maximum les talons des fessiers. Dernière seconde.
Il en reste 15. Ou alors, ici. Ici. Je transpire tellement. Punaise. Encore. 4. 3. 2. 1. Stop. Relâchez, je vous donne 15 secondes. On replace les épaules, il nous reste juste... Là, c'était un peu trop intense au niveau des épaules. On se met en planche latérale face à moi. Ça y est, repère psychologique est là. On pousse les hanches. On pousse les hanches. Let's go, pousser les hanches vers le plafond. On serre le ventre, on pousse les hanches vers le plafond. Vous allongez votre bras. Coude, épaule bien alignée. Si vous êtes à l'aise, sur les orteils. Sur les orteils. Finalement, vous êtes en vacances. Si vous êtes pressé, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas, le replay va être sur YouTube et uniquement YouTube. Merci Coco. Et pour les autres, j'ai ruiné le nouveau parquet de mon nouvel appart. Bon, bah ça me rassure. Est-ce que je sais pas si ça rend en vidéo, mais je suis trempée jusqu'à la moelle. Et c'est un puits abdos fessier. Allez, poussez les fessiers en arrière, on se calme. Allez, on se calme. Ouh. On allonge ses bras pour étirer son dos. La poitrine vers le sol. Et on place le bras droit sous le bras gauche pour étirer les épaules qui ont été très sollicitées. Relâchez. Croisez les jambes, celles que vous voulez.
la jambe droite, on recule son genou arrière et on cale ses hanches face au sol. Là, c'est le meilleur exercice du monde pour étirer les fessiers. Si vous n'arrivez pas à garder les hanches face au sol, vous vous asseyez. Et vous pouvez plonger vers l'avant. Oh Eh, ça fait du bien, hein. 10h du matin, là, pour ceux qui sont en vacances, vous allez profiter de la mer. Hop. Vous allez pouvoir... vous pouvez bien commencer la journée. Et ceux qui sont au travail, vous pouvez aussi bien commencer la journée aussi. Allez, quadriceps, on les étire. Ramenez le talon vers les fessiers. J'ai la cuisse en feu. J'ai la cuisse en feu. Relâchez. Par contre, vous êtes très nombreux à demander un cours de stretching. Et oui, il faut qu'on se trouve un créneau pour se faire un petit stretching en direct. Aïe, aïe, aïe. Parce que souvent, vous avez la flemme de vous étirer. Donc au moins, si je suis avec vous, je sais que je vais pouvoir réussir à vous motiver un petit peu. Au moins un petit peu. Aïe, vous sentez là? Là. Ça brûle. Nos petites pêches bien raffermies. Allez, quadriceps. À chaque fois que vous tirez, vous expirez. Vous expirez. Allez, relâchez. Debout. Posez les pieds au sol, on étire l'arrière des cuisses. Oh, aïe, aïe, aïe. Relâchez tout le haut du corps, je veux des jambes parfaitement tendues. Et relâchez, fléchissez les jambes, on déroule le dos tout doucement. On replace les épaules en arrière. Et good job, good job. Bon, bah ça y est, j'ai pris une heure de votre temps. Bon, bah voilà, vous pouvez voir, on n'a plus trop la même tête. Le palmier a survécu, mais au moins. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est le cours de cuisses abdos fessiers qu'on aime tant. Très cardio aujourd'hui. Et voilà, le replay sera sur YouTube. Et n'hésitez pas, si vous regardez le replay sur YouTube, à mettre des petits likes. Là, c'est des pouces sur YouTube. Des petits pouces et à s'abonner à ma chaîne. Je vous promets, ça peut tout changer pour moi si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous regardez mes vidéos. Voilà, je propose du contenu gratuit et rien est gratuit uniquement pour vous. Donc, juste le petit truc qu'il faut faire pour m'aider, c'est le petit like. Voilà. Bon, ça vous a plu ou quoi? On est brief. Ceux qui sont pressés, bien sûr, je vous fais des bisous. Et normalement, on retrouve notre rendez-vous du lundi matin. Voilà, normalement, lundi, il n'y a aucun problème. Merci, Jessie, et un joyeux anniversaire. J'espère que ça vous a plu, hein. Bon, j'ai plus qu'à reprendre une douche. À chaque fois, je fais ça. Je prends une douche juste avant, mais là, je suis ruinée. Ma brassière, elle est trempée. Je suis la seule ou pas? Au prochain live. Oh, Coco, parfait comme d'habitude. Vous êtes chou. Bon, j'attends en tout cas, si vous le faites en replay ou si vous l'avez fait, je veux des selfies vacances. Parce que vous êtes nombreux du coup à m'envoyer des petites photos de vos vacances et je suis avec vous dans vos vacances. Donc, moi je ne pars pas en vacances. Donc prenez-moi en vacances avec vous. Je veux une photo avec le visio de la vidéo et vous avec le fond de votre vacances. Voilà. Bon allez, sur ce, mes pêches, vous avez bien bossé. Je vous fais plein de bisous et maintenant profitez. La journée peut bien commencer. Allez, good job, bravo à tous. Et à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous à tous. Bisous.